C'est l'heure de recevoir notre invité et ce soir nous nous intéressons justement à la 52e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Elle s'est ouverte à Marrakech sous le thème de la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique. Le Maroc a été élu à l'unanimité à la présidence de la conférence des ministres de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique. Avec nous pour en parler en duplex de Marrakech, Monsieur Zouhel Cholfi, secrétaire général du ministère marocain de l'économie et des finances. Bonsoir. Bonsoir. Vous, le Maroc va présider donc pendant un an cette instance qui réfléchit à la stratégie de développement économique du continent. Quelle sera la feuille de route de la présidence marocaine de la conférence de la CEA? En tous les cas, il faut commencer par se féliciter du choix de notre pays et pour accueillir les travaux et en même temps pour ce signe de confiance qui a été placé en notre pays pour en assumer la présidence. Les débats de cette journée, après trois journées de débats au niveau des experts, ont été constructifs, ont apporté de nouveaux éclairages sur un certain nombre de thématiques eu égard à l'apport du numérique et nouvelles possibilités à l'action qui s'offrent à nous. Et bien sûr, le Maroc, conformément à la vision de Sa Majesté, aura à cœur de porter ces problématiques et d'être vecteur de valeur ajoutée, d'enrichissement pour ses pairs africains. Nous sommes un pays qui, sur les deux dernières décennies, a mis en œuvre des politiques de développement ambitieuses, réussies, dans divers domaines, que ce soit de l'infrastructure aux politiques sectorielles, à la réforme du secteur financier. Et sur tous ces aspects, il y a une demande aujourd'hui africaine pour profiter, en tous les cas, de l'expérience marocaine, s'enrichir de cet apport. Et nous sommes déterminés, aussi bien au niveau des travaux de la CEA qu'au niveau bilatéral, à ce que le Maroc soit considéré comme celui qui apporte une valeur ajoutée, celui qui aide à élaborer les bonnes réponses, tant les défis sont importants en Afrique. Le taux de croissance aujourd'hui dans les pays africains n'est que de 3,2%. Et de nombreuses études montrent que si on voulait être au rendez-vous des attentes de la jeunesse et des besoins sur le marché de l'emploi, ce taux devrait être triplé. Il faut aller vers des niveaux de croissance de 7, 8, 9% l'an pour être au rendez-vous des préoccupations, en tous les cas retenues, et puis des objectifs 2030. Nous n'avons plus que 10 années devant nous et les défis sont nombreux. Et donc le Maroc, en tous les cas, est déterminé, résolument engagé, conformément aux orientations de Sa Majesté, pour être au rendez-vous du développement de l'Afrique. Alors, les défis sont nombreux, vous venez de le dire. Concernant le thème retenu justement cette année, il s'agit de la révolution numérique. Quelle expérience le Maroc peut partager avec ses pays frères en termes de stratégie numérique pour l'économie? Comme vous le savez, le Maroc est engagé depuis un certain nombre d'années déjà. Si on restait uniquement sur le domaine économique et particulièrement celui du ministère de l'Économie et des Finances, vous savez par exemple qu'en matière douanière, nous sommes depuis le début janvier de cette année sur le zéro papier, c'est-à-dire qu'un conteneur peut arriver au port de Casablanca, quitter le port sans qu'il y ait aucune formalité administrative sur le site du port. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau fiscal, les déclarations se font sur le système, sur la commande publique, tout a été informatisé également. Ce qui est un gage de transparence accrue, et c'est quelque chose d'important, mais ce qui met entre les mains de l'État les moyens de l'évaluation des politiques publiques et de la reddition des comptes. Donc sur tous ces aspects-là, bien entendu, nous avons des demandes. Monsieur le ministre a reçu aujourd'hui plusieurs de ses collègues. Ils ont tous exprimé un besoin, en tous les cas une demande, de partage de ces expériences. Alors, le Maroc prend la présidence de la conférence des ministres de la CEA au moment où se décide la ratification de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. 21 pays l'ont déjà ratifiée. Il ne manque plus qu'une seule ratification pour que la ZLECA entre en vigueur. Comment voyez-vous ce tournant pour l'Afrique? C'est un tournant important. Les échanges interafricains restent à un niveau faible. Et bien entendu, ce qui est attendu de la zone de libre-échange, c'est le renforcement du lien commercial. Le postulat, les études montrent
que les échanges commerciaux, le développement des échanges commerciaux a nécessairement un impact positif sur la croissance économique et la création d'emplois. Donc c'est un nouveau défi pour l'Afrique, renforcer les échanges entre pays africains. Et le Maroc, qui est riche d'une grande expérience en termes de zone de libre-échange, nous sommes en libre-échange avec l'Europe, nous sommes en libre-échange avec les États-Unis, avec la Turquie, avec le monde arabe. Et donc avec tous ces ensembles, les produits venant de ces pays arrivent au Maroc et accèdent au marché national à taux zéro. Et donc nous sommes prêts là aussi à aider, à tirer vers le haut, à encadrer un certain nombre de pays qui en auraient besoin, parce que bien entendu, une zone de libre-échange suppose la mise à niveau des administrations douanières, du point de vue de leur système d'information, de la gestion des risques, du contrôle de la chaîne de valeur. Et sur l'ensemble de ces aspects, nous sommes prêts à travailler. Bien sûr, le Maroc a ratifié et le Maroc a engagé la procédure d'adoption de cet accord international. Et une fois que l'adoption sera faite et que la zone de libre-échange deviendra une réalité, et soyez convaincus que le Maroc jouera un rôle important pour aider à sa mise en œuvre et à sa mise en place effective. Alors, en attendant que cette ZLECA, cette zone de libre-échange, devienne effectivement une réalité, les entreprises, elles, marocaines, investissent depuis longtemps en Afrique. Quelle serait, selon vous, la stratégie à mettre en place pour pérenniser cet investissement? En tous les cas, la ZLECA englobe la dimension commerciale. Elle ouvre un nouvel horizon aux échanges commerciaux, avec une séquence de démantèlement tarifaire qui ferait qu'à un moment donné, les échanges commerciaux entre pays africains se font à taux zéro. Et bien entendu, parallèlement au renforcement des échanges commerciaux, le développement des investissements directs étrangers d'un pays à l'autre est aussi une dimension importante qui est encadrée par des accords de protection des investissements. Le Maroc, sur les dernières années, a fait montre d'une présence nouvelle parce que finalement, nous avons désormais les acteurs économiques dans différents secteurs d'activité. L'expérience est riche, elle a commencé, peut-être elle a pris une ampleur importante au niveau de la sphère financière, du secteur bancaire, mais aujourd'hui de différents secteurs, des télécommunications, au BTP, le Maroc est présent. Les résultats sont encourageants et bien entendu, il faut consolider l'acquis, renforcer les dispositifs légaux qui donnent la visibilité nécessaire aux différents États de manière à ce que les investisseurs soient rassurés, se sentent protégés et envie de continuer à investir dans des logiques gagnant-gagnant, mutuellement bénéfiques pour le pays qui reçoit les investissements et pour bien entendu l'entité qui les réalise. Je pense que c'est une œuvre commune, donner plus de visibilité, garantir les investisseurs du point de vue d'un certain nombre de risques. Et avec ça, nous avons le cercle vertueux qui permet le renforcement de ces investissements. Zouhair Chorfi. Et je vous remercie, je crois. Et je vous remercie également. Zouhair Chorfi, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère marocain de l'économie et des finances.